Bonsoir. Vous avez des secrets, j'en ai aussi. Les artistes ont également leurs secrets. Et vous savez que Face Cachée se fait fort de découvrir justement les petits secrets des artistes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir les confidences de Patrick Saint-Éloi. Et avant de le retrouver, nous avons un portrait que Pierre Lafarge nous a concocté de Patrick Saint-Éloi. Patrick Saint-Éloi est né à Pointe-à-Pitre un 20 octobre sous le signe de la Balance. Patrick est certainement le plus timide des 6 enfants de Jacques et René, ses parents. Extrêmement sensible, après ses études et quelques jobs, c'est la musique qui va lui permettre de s'exprimer, lui permettre d'exister. Tout d'abord à la batterie, puis aux percussions, c'est en écoutant les chansons de Nat King Cole et de Harry Belafonte qu'il répondra à une irrésistible envie de chanter. Auteur, compositeur, ses textes traduisent son envie d'aimer, son envie de partager la tendresse et la sérénité qui est en lui. Après avoir collaboré à divers groupes en Guadeloupe, Georges Décimus remarque ce garçon qui travaille sa voix. Il le présente à Pierre-Édouard Décimus, alors aux commandes de Cassave. Et c'est un coup d'essai qui se transforme en coup de maître. Patrick deviendra rapidement l'un des leads vocales du groupe. Nous sommes en 1982. Patrick Saint-Éloi enregistre également en solo. Cette année-là, c'est l'album Musique, c'est l'amour. Un autre sortira 2 ans plus tard. En 1992, c'est Bizouk, puis Zoukamine. En plus des albums de Cassav, c'est au total 6 disques à écouter, à réécouter, dont le CD live de l'Olympia à Paris. Patrick Saint-Éloi avait fait la promesse à son père qu'il y chanterait un jour. Le jardin secret de Patrick Saint-Éloi, celui qui ne fait pas seulement taper les mains de son public, mais aussi battre les cœurs. Voici Face Cachée avec Renélie Saint-Père. Bonsoir Patrick, ça va? Bonsoir, ça va Avec très bien. Avec ton revoir, ça fait un moment aussi. Ça fait un moment, bon, la vie nous emmène droite à gauche, mais on est là et content d'être là. On va commencer par un petit questionnaire auquel tu dois répondre par oui ou par non. Aimes-tu que l'on te définisse comme un chanteur de charme? Ben oui. As-tu travaillé ta voix avec un Asiatique? Une. Une Asiatique? Oui. Es-tu imbattable aux percussions? Non. C'est le titre crié de Georges Décimus qui t'a apporté chance? Oui. On te dit timide parce que secret et émotif, est-ce vrai? Oui. Certains événements t'auraient-ils fait souffrir? Oui. Estimes-tu être une star? Non. On te dit étoile filante? Oui. File les étoiles? Oui. Let's go.
joli, joli, joli. C'est bien parce que je vois les danseuses et tout. Ouais. C'était les 20 ans, là. C'était une danseuse des heures de gloire de Cassab. Absolument, aussi. C'est vraiment sympa. La face cachée de Patrick Saint-Éloi. Patrick Saint-Éloi chante l'amour, amour encore, amour toujours. Tu ne t'en lasses jamais? Non, je dirais quand même que si on écoute bien mes textes, il n'y a pas que ça. Quand même. Ouais. Puisque, bon, quand même des textes que j'aborde, qui me tiennent à cœur, comme les phénomènes sociaux, l'inceste, tout ce qui nous touche directement. Mais je crois que ce que les gens retiennent beaucoup plus, c'est les thèmes sur l'amour avec un grand A, parce que je crois que tout le monde a besoin d'amour. Donc, conjuguer l'amour à l'infini. Par exemple. Alors c'est vrai que tu as effectivement parlé de thèmes comme l'inceste, comme réhabilitation également, voilà. Histoire de marquer le coup pour le 150e de l'abolition de l'esclavage. Absolument. Est-ce que c'est une façon pour toi de rompre avec l'image carte postale qu'on a des Antilles, sous le soleil, tout est beau, tout va bien? Ben, c'est évident, puisque c'est vrai que quelque part, quand on va dans un pays ou un autre, moi j'aime bien savoir comment... Moi, ce qu'on nous perçoit. Donc, dès que je vois ce genre de réaction, genre très doudouiste, ça me fait très peur. Donc, j'ai envie de me révolter contre ça. Donc, ça me fait réfléchir à d'autres choses qui nous concernent directement et qui sont plus poignantes, quoi. Quel est ton regard sur le monde? Ben, je dis que ça va pas très bien. De toute façon, nous, on est en train de s'enliser dans des conflits qui deviennent... non seulement sociaux, mais qui deviennent maintenant à caractère religieux. Et je me dis, combien de dieux a-t-il, puisque celui-là dit que le mien est meilleur que le tien. Donc moi, j'aurais aimé quand même qu'on fasse rapidement la part des choses, pour ne pas sombrer dans ce genre de ténèbres qui vont carrément éteindre le ciel, et ça me fait très peur. Oui, parce que toi, en tant que père, tu peux avoir peur également pour tes enfants. Bien sûr, on y pense souvent. Et je connais même des personnes qui ont peur d'enfer. Et ça, c'est encore plus grave. Es-tu prêt à t'engager politiquement ou d'une autre manière pour une grande cause? Disons que je suis un artiste, donc je ne rentre pas dans la politique. Je pense que c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est sûrement de dire les choses que les gens peut-être pensent tout bas, et surtout de réagir sur certains points qui des fois ne font pas la une des journaux. Je pense que ça, c'est un peu ma façon à moi de faire de la politique. Ouais. Tu te demandes qui Jean Kayfé? Tous les matins. Tous les matins, tous les matins, qui Jean Kayfé? Bien sûr. Ouais. Et en plus, tu l'as chanté, qui Jean Kayfé, Patrick Saint-Éloi. Face cachée de Patrick Saint-Éloi. Alors en ce moment, Patrick, dans le show business, la mode est de monter sa propre boîte de production. Et soit tu n'as pas failli à la tendance, PSE Production existe. C'est depuis l'album Love Tense. C'est ça, ouais. Absolument. Alors la part du show, la part du business? Mais disons que je ne pense pas que ce soit un luxe en fait. Hein. Je pense qu'à un moment, un artiste a besoin quand même de s'autoproduire. Mais pour cela, il faut attendre. C'est le temps qui fait les choses en fait, parce que c'est un autre métier. Hein. Et donc, on a besoin d'avoir l'expérience au fil du temps. Et à partir de ce moment-là, on peut se lancer comme ça et de s'occuper déjà de soi-même avant de s'occuper des autres. Parce qu'on va se faire des erreurs à soi-même et pour éviter aux autres quand on va les produire. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Et puis, bon, on va dire que c'est quelque part, c'est du business. Moi, je ne suis pas un businessman. Je veux faire de la production.
Je peux monter la boîte et puis moi je prends aussi des gens, il y a des gens qui compétents des sous, pour savoir. Etc. Non, mais chaque, c'est un métier, chacun son métier. Et je crois que ça marche comme ça. Je ne peux pas faire la musique et faire la gestion en même temps. Je pense que c'est une utopie. Hein. Si on veut plonger, il faut c'est bien ce qu'il faut faire. Quoi. Alors, est-ce que PSE, on retrouve également le sigle sur Patrick à l'Olympia, Patrick Saint-Éloi à l'Olympia oui, aussi. Absolument. Patrick Saint-Éloi à l'Olympia, ça a été également un grand moment. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone, je suis désolé. Alors, dis-lui que tu vas la rappeler, je ne sais pas. Voilà la face cachée de Patrick Saint-Éloi. Voilà, c'est aussi. C'est pas du business. C'est même pas du business en plus. Non. Tu vas lui dire que tu vas la revoir plus tard, c'est pas grave. Je pense pas que ce soit ça. Ça doit être sûrement le percepteur ou quelque chose comme ça. Le percepteur. Jean-Claude Limoux disait que quand il y a un percepteur après toi, c'est parce qu'on gagne beaucoup d'argent. Ah, ça, c'est pas sûr. Des fois, on a oublié de payer. On va te retrouver sur scène, Patrick, parce que Salozna, tu es venu justement proposer ce spectacle de l'Olympia, Patrick, en solo. Le rapport justement avec le public, cet échange, tu reçois, tu donnes également, que reçois-tu et qu'as-tu l'impression de donner ? Mais d'abord, je crois que dans un concert, le premier objectif, c'est d'avoir une communion avec son public et ensuite faire passer tout ce qu'on a envie de donner, les bonnes choses, les bonnes vibrations. Par contre, on donne beaucoup. Mais quand on reçoit vraiment. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pousse derrière, donc il faut toujours aller vers l'avant. Et c'est comme ça que le concert a des moments, il y a des moments super magiques. Et je crois que c'est ça que les gens viennent chercher. C'est ce petit moment d'osmose qui se passe à un moment dans les chansons. Durant toute cette semaine, Cassav a fait salle comble à l'Atrium avec concert phénomène Cassav. Quelle différence entre Patrick seul sur scène et Patrick et Cassav sur scène? Non, je crois que c'est tout simple en fait. Donc à ça, bon, il y a plusieurs intervenants. Donc on a plus ou moins des rôles bien précis à jouer. Donc on se complète forcément à un moment. Et quand je suis tout seul sur scène, ça veut dire qu'il faut que je fasse tout ça moi-même. Donc ce qui est très intéressant parce que c'est carrément deux choses différentes. On voit d'ailleurs les images. C'est très, très, très enrichissant. Quoi. Voilà. Patrick, l'homme. On aimerait bien sûr en savoir plus, Patrick l'homme, parce qu'on dit Patrick comme ma femme. Les femmes étaient folles de toi, est-ce que tu penses que ça, c'est encore valable? Bon, moi, je crois que ça a toujours aussi été un mythe, je pense, hein, parce qu'on imagine beaucoup de choses, mais moi, je suis quelqu'un comme tout le monde. Quoi. J'aime les femmes, j'aime la vie. Et aussi, bon, y a aussi une ligne de vie, une conduite à tenir dans la vie. Donc, je veux dire, bon... Les choses, j'ai rien de particulier en dehors de ça. Mais bon, c'est vrai que quand on est artiste, bon, ça fait un peu rêver tout ça. Hein. Donc, je vois que du positif, il n'y a pas de problème. L'image Patrick sensuel, Patrick sexy, est-ce que tu es également comme ça au lit, par exemple, chez toi? Est-ce que tu es aussi sensuel, aussi sexy Moi, je le fais, j'essaye de le faire du mieux que je peux. Bon, je n'ai pas eu de remarques particulières pour l'instant. On a toujours dit mention.
On va dire mention. Voilà. Dis bien, Lia, c'est bien mention. Bon, ce n'est pas à moi de le dire, en tout cas. Oui, bien sûr. Je n'ai pas eu de remarques particulières. Ouais. Voilà. As-tu un type de femme particulier? Bon, pas spécialement, je crois. Hein. Je crois que ça se passe ailleurs que dans le type, en fait. Hein. Ce qui est sûr, c'est que je n'aime pas les gens. C'est moi qui me con que j'arrive. Mm-hmm. Ils font plein de bruit, je n'aime pas ça. J'aime plutôt la petite discrétion lunaire qui fait que on remarque une personne parce que justement, elle ne fait pas de bruit. Ouais. C'est plutôt moi, ça. Donc tu les aimes cannelle, débridée, fatale Tout ça mélangé. Tout avec ça mélangé. Un petit peu de muscade, ça ira. Ça m'appelle le devani, c'est ça, le dev. On reste dans les épices. On reste dans les épices. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ta première expérience amoureuse? Oui, je me rappelle. T'es plus âgé que moi, d'ailleurs. En fait, j'ai rien fait. Hein. Je n'ai fait que subir. Hein. Parce qu'elle était beaucoup plus âgée. Et puis, c'est vrai que on n'a pas tous les détails, quand même. C'est très vieux. Ouais. Donc, on a des bribes de souvenirs. On se dit, il y a des choses que je ne sais pas. Ouais. Et qu'il faudra que j'approfondisse. On se dit ça. L'expérience fait l'homme. Hein. Voilà. comment es-tu au quotidien, Patrick, qui se réveille le matin, café, tout ça, chocolat de bonne humeur, de mauvaise humeur? C'est pas la première chose que je fais le matin. Quand je me réveille, je prie. D'abord, parce que pour me sentir bien, il faut que je le fasse. Le soir aussi, d'ailleurs. Et ensuite, bon, je vais aux occupations de la vie courante, un petit-déj, quand c'est possible. Et puis, se poser la fameuse question qui me fait démarrer le matin, c'est qui j'ai envie de faire. Il y a toujours quelque chose à régler dans la journée, donc je pars de mon pied comme ça. Ouais. Enfin, pas tous les jours, parce que des fois, il y a des choses beaucoup plus difficiles que d'autres à résoudre. Si je te dis Mibesso. Je dis mi amor. Mi beso, et puis en plus c'était l'amitié Frédéric Caracas, Champagne, oui, et Patrick Saint-Éloi. Exactement, très très bon moment. Mi beso, Patrick Saint-Éloi. Adelante! Patrick, si tu étais un animal, quel animal serais-tu? Ouais, tu serais... Bon, je sais pas, je serais un guépard. Me promener à toute vitesse dans la savane, ça me plairait bien. Ouais, la liberté. Oui, et puis en plus, il y a un garde-manger complètement libre. Je me pose pas de questions pour savoir s'il faut travailler pour manger. Si tu étais une couleur? Une couleur? Ben, je serais rouge. Rouge. Ça pète, c'est vif. La passion. On va dire ça. Est-ce que tu as un bruit, mis à part les bruits de portable? Non, surtout pas un bruit de portable. Je serais le bruit de la mer. Les vagues qui se meurent sur la plage. Ça me plairait bien. C'est un paysage. En Afrique, Serengeti, ouais, ça me plairait bien. Avec les grands lacs. C'est le côté c'est le paisible. Lieu c'est le lieu de la bête en question aussi. Voilà, c'est le lieu de l'animal. Voilà. c'est un grand homme, grand par rapport à ses prises de position, par rapport à ses actions, à ses combats. Qui serais-tu? Oui, j'hésite entre Pasteur et Martin Luther King. Voilà, un mélange de ça. Ouais. J'aimerais ça. Le fait d'avoir aidé, d'avoir porté quelque chose. Oui, des découvertes capitales pour l'humanité. Mm-hmm. Il y a aussi ça.